je m'apprête à runner The Lion King Simba's Mighty Adventure. Premier petit truc important, faut que je m'assure que la difficulté soit mise en médium. Simplement parce que ça va nous permettre de skipper certains tutoriels. Si on est prêt pour partir le countdown, dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Good luck! Have fun! Déjà, j'ai un couch qui s'est incrusté derrière moi avec... Non, moi j'ai demandé. Qui a demandé puis qui s'est incrusté derrière moi. On a tous des beaux petits chapeaux. Ouais, ben moi j'ai emprunté celui de Didi, je me sentais tout nu de la tête comparé à vous autres. D'ailleurs, shout-out à mon ami Tenka qui est aussi sur place pour me voir qui a fait le chapeau de Magikarp. Absolument génial. Très joli en effet. Très beau travail. Donc, on commence la run. Premier truc, quand je parlais de mettre la difficulté en médium, ça permet à ce que dans le premier niveau, à chaque fois qu'on va rencontrer un autre lion, comme Nala qu'on vient de passer, ils vont pas nous arrêter pour nous expliquer comment jouer. Étrangement, on a découvert assez tard dans la vie de ce speedrun-ci qu'on fait juste changer la difficulté pour ne pas avoir à subir les tutoriels à chaque fois. Et il y en avait-tu pas mal long? Ça fait une grosse différence au niveau pas sûrement, mais je veux dire, à quel point ça faisait une différence? Je m'en rappelle plus le temps exact, mais c'est facile un bon 2 minutes. Ah oui, quand même. Je veux juste dire que dans le chat, on a Magister qui dit « Je veux tellement voir Ben à job avec son casque sur la tête. » Il en est pas question, ouais, c'est à moi. C'était Didi. Ici, je viens de faire un petit truc qui s'appelle... J'ai pas réussi à le faire 2 fois, mais au moins une, qui s'appelle un ledge skip. Tout simplement, quand on saute, la plupart des plateformes ne seront pas assez hautes pour qu'on puisse simplement sauter par-dessus. Donc Simba va s'accrocher sur le bord et il va faire une animation ici qui doit se tirer par en haut. Le but d'un ledge skip, plutôt comment ça se fait, c'est simplement de pounce quand on est au top de notre saut pour avoir un petit peu de hauteur supplémentaire et ne pas avoir à grab le rebord. Deuxième niveau, je peux commencer à avancer avant même que le niveau ait fini de loader, avant même que l'écran noir disparaisse. Donc, je vais tout de suite commencer à aller vers la droite. Le jeu change entre des niveaux 3D et 2D. En voici un 2D. Bien sûr, vous aurez deviné qu'on est sur PlayStation, avoir le loading infernal qu'il y a à chaque niveau. Oui. D'ailleurs, je joue sur PlayStation 2 avec Fast Disk Speed, ce qui veut dire que le loading est extrêmement plus rapide qu'il serait sur une PS1 originale. Mais sur un board, c'est une catégorie à part vu que tu as ça ou... Non. Non, c'est pas une catégorie à part. Parce que c'est comme un peu un avantage. Oui, c'est sûr qu'il y a un certain avantage qui se crée. Mais rendu là, c'est comme de jouer sur la version japonaise d'un jeu ou de jouer sur la version américaine ou européenne ou quoi que ce soit du genre. Un avantage qui est quand même accessible pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est un avantage accessible. C'est pas... je me rappelle plus c'est quel jeu, mais qu'il fallait que t'ailles une console ou une manette qui était sortie juste pendant un court temps puis qui était plus vraiment accessible ou plus vraiment obtenable. Il y a une micro-différence entre les modèles de PlayStation en tant que tel. Principalement, si tu joues sur un modèle 70K ou 90K, de façon générale, c'est si la PlayStation est un tout petit peu plus récente, elle risque d'être un tout petit peu plus puissante. Mais rendu là, la différence est minime. J'espère, ce serait peut-être bande des PlayStation moins performante. Quand tu parles d'affaires accessibles, il y a bien des speedruns de jeux récents qui sont genre frame dependent, que si t'as pas une grosse machine pour le runner, tu peux même pas faire la run. Là. On pense à des Resident Evil que si tu roules à 120 FPS tout le temps, il y a des tricks que tu es capable de faire que tu peux pas faire autrement, puis ça prend une machine pour rouler ça. Là. C'est un fait. Si on parle justement de Resident Evil 2 Remaster, le knife qui est en fonction du frame rate. Okay. Oui, c'est vrai. Ou même n'importe quel jeu de Switch, où est-ce qu'il faut que tu revertes des versions, ce qui t'oblige à soit homebrew ta Switch ou avoir la version physique. Ah, ouais. Je pense beaucoup à Super Mario Odyssey, par exemple, où est-ce que pendant un bon bout de temps, la version 1.0 était la plus rapide. OK. Puis du coup, la seule façon de jouer à 1.0, c'était d'avoir une Switch qui n'a jamais été updatée. Comme ça, elle ne détecte pas que le jeu est supposé être une plus haute version que ça. Puis
que tu wipes ta Switch au complet puis que tu ailles une cartouche physique parce qu'il faut que tu ailles la bonne version. Donc, ça devenait un petit peu compliqué pour pouvoir être compétitif. Ouais. Ou sinon, l'autre option, c'est justement de homebrew ta Switch, mais là, il fallait que tu aies une Switch qui n'était pas patchée, genre patchée physiquement par Nintendo, pour pouvoir télécharger la bonne version. Les conditions, ça devenait compliqué un petit peu. Là. C'est ça. Mettons que ce board-là, ça a été un board qui a été assez chanceux qu'il y ait une nouvelle version qui sorte plus performante, fait que ça a juste réglé tous leurs problèmes d'une certaine façon. Mais bon, c'est le genre de choses qui peut arriver en speedrun. Évidemment, c'est toujours up to the community. Chaque communauté s'arrange pour quand même rendre les runs accessibles pour garder ça de fun pour tout le monde. Mais reste que un speedrun, tu vas aller vite. Fait que peu importe ce qu'il faut que tu fasses. Absolument oui. C'est un peu plate quand tu te dis le world record pourrait être plus vite, mais parce que telle règle, on a décidé que ça serait pas possible. Mais il y a des jeux qui se font avec certaines catégories aussi avec le FPS capé. Oui, exactement. Pour pouvoir permettre de garder cette accessibilité-là. Quelque chose que j'ai pas mentionné depuis le début de la run, vu que je joue en médium, ça met une certaine restriction. Je dois m'assurer d'avoir 300 pattes à chaque fois que je termine le jeu, à chaque fois que je termine le niveau. Sinon, ça va juste me dire « Ah, désolé, t'as pas assez de pattes pour terminer le jeu. Ben, t'as pas assez de pattes pour terminer le niveau à cette difficulté. Recommence au complet. » You gotta go fast, mais avec condition. C'est ça. Okay. Ça me fait quasiment penser à l'avant-dernier niveau de Ghost and Goblin qu'il faut absolument que tu ailles la croix pour affronter Satan. Ouais, la différence ici, c'est qu'ils vont quand même te permettre d'affronter les boss, mais après le boss, ils vont dire « Ouais, non, t'avais pas cette patte, en fait, on recommence tout. » Le boss inclus? Le boss inclus. Naturellement. C'est une belle façon de dire « Get good ». Ouais. Mais là, ça, c'est la partie que Mustafa vient de mourir. Mufasa. Mufasa. Hey. Il y a juste un T de trop dans mon affaire. Ben là, actuellement... Je pense que oui, c'est ça. Là, c'est la partie où Simba est retrouvé par Timon et Pumbaa, puis apprend à vivre dans la forêt et manger des insectes. Quand son papa meurt, c'est ça qu'on chante Circle of Life? Ou... oui. It's a circle non. of life! Je pense que c'est supposé de la chanter quand... C'est pas inné. Ah, ok. Ben, ça fait partie du cycle de la vie, mourir. Oh, oui. Oui. Bienvenue dans le bloc Petit Bonhomme, tout le monde. On vous apprend les vraies choses. Donc, c'est ça. Pour la plupart des niveaux, ma route changerait pas trop de si je jouais en normal. Oh, je vais prendre ça par contre. C'est ça. Ma route changerait pas trop de si je jouais en normal, à l'exception que je vais faire des tout petits détours, simplement pour m'assurer d'avoir assez de pattes à certains endroits. Des fois, c'est par safety, simplement où je sais que je pourrais manquer des pattes plus tard, fait que je vais en prendre plus tôt, juste au cas. Parce que, bon, je viens avec l'histoire de chanson, mais c'était à quel event déjà? DreamHack Montréal 2018. 2018, ouais. La run, ben, Sam avait déjà présenté cette run-là, mais avec, il avait sorti des chansons, puis on chantait toutes à 4h, 5h du matin. 4h30, ouais. On chantait toutes, ben, à part Didi, là. Trop brave pour chanter, lui. mais on chantait toutes les chansons du Roi Lion. Le BY aussi est très apprécié, d'ailleurs. Oui. Puis je m'excuse, mais la dernière tune, je l'ai chantée dans le backstage avec tout le reste du monde. Ah! Surtout nice. Baku. Puis là, d'ailleurs, aujourd'hui, Fred a dit qu'il continuera à le faire, lui. Oui. Donc, ici, c'est un des niveaux qui commence à être un petit peu plus technique. C'est simplement parce que, vu que la caméra est d'une vue top-down, vue d'en arrière, mais légèrement top-down, puis que le niveau va en montant, on se ramasse à pas vraiment voir ce qui est en avant de nous. Donc, je dois connaître d'avance où est-ce que les ennemis vont arriver pour pouvoir rouler puis les éviter. Parlant de rouler, pendant que je roule, je suis invincible jusqu'à un certain point. Certains environment hazards comme les roches ou les bio de bois vont quand même pouvoir me ralentir. Mais quand que je roule, je suis invincible. Ce qui me permet de pouvoir éviter la plupart des ennemis. Oh.
Backup, ok, c'est bon. Ici, normalement, j'aurais dû sauter sur le dernier oiseau, mais j'ai décidé de plutôt pounce en backup pour me donner un tout petit peu plus de distance puis me rendre jusqu'au bout. Parlant de rouler, j'ai utilisé, pendant que je montais sur les espèces de grands escaliers, j'ai utilisé mes iframes pour pouvoir rouler à côté de l'oiseau puis pas le pogner, puis plutôt me faire toucher par l'oiseau quand je suis dans les airs, ce qui va me donner des iframes quand je vais revenir sur la plateforme pour pas me faire ralentir par l'oiseau, puis pour pas un peu comme déstabiliser mon mouvement puis accidentellement tomber en bas. Premier vrai boss, mettons qu'on ignore les hyènes. Les deux boss, Scar et Zira, ont un truc un peu spécial où est-ce que je peux les faire tomber de leur plateforme. Scar, je vais pas... Ah, merde. Bon, j'ai manqué mon coup. Oh, non, t'as peur. Ah, non. Ah, tu vas être coincé là pour... Ouais, c'est ça. Il y a deux trucs que tu peux faire. Soit que tu peux sauter en dessous du boss pour que quand il s'en va pour atterrir sur la plateforme, tu puisses le faire passer au travers du plancher. Scar, par contre, il y a une façon encore plus rapide de le faire où est-ce que tu sautes avec lui, ce qui donne un petit peu plus de hauteur parce que tu vas penser sur lui, ce qui donne encore plus de hauteur. Puis après ça, c'est juste une question de se timer dans les airs. Je vais attendre un coup qu'il remonte. Voilà. Super. Ah, OK. C'est le trick que je viens de parler où c'est que tu le fais tomber en dessous. C'est juste pas de s'arriver à la fin quand t'as fini. Ouais, bon. En fait, c'est quasiment mieux parce que quand il reste sur le top, des fois, il perd un petit peu de temps comme... On sait pas pourquoi, on dirait que c'est... Il fait juste comme parler un petit peu, puis après ça, il se passe rien pendant 5 secondes, puis t'attends jusqu'à... C'est le talent d'acting qui fait « Ah oui, c'est vrai, je suis posé de mourir. » Ouais, c'est ça. Bref, c'est ça. Normalement, tu sors dessus, puis tu continues à sauter par-dessus constamment jusqu'à temps qu'il meurt. On peut pas faire ça sur Zira. Donc, Zira, je vais être obligé de vraiment bien me timer, arriver en arrière, puis sauter par en dessous. Quelque chose qui ajoute une difficulté supplémentaire à faire ce trick-là, c'est que la plupart des murs sont un peu comme sticky. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, dans un jeu vidéo, quand tu colles sur un mur, le jeu va un peu calculer la position que tu devrais avoir, va réaliser que tu es dans le mur, puis va te repousser du mur. Ce qui va faire en sorte que tu vas comme un peu frotter sur le mur, tu vas slider, mais tu vas avancer quand même. Dans le Roi Lion, la plupart des murs, ils font pas ça. La plupart des murs font juste dire « Ah, t'es supposé être dans le mur, fait que je vais t'empêcher d'avancer. » Ce qui veut dire que même si tu avances en diagonale, du moment que t'es un tout petit peu collé sur le mur, tu vas rester coincé. Ce qui peut être chiant pour les boss, puisqu'il faut que tu restes proche des murs pour pouvoir faire les tricks, mais il faut que tu décolles les murs pour pouvoir avancer. Ouais, donc des fois, tu peux paraître être sur le chemin, mais si t'accroches un pixel de mur, là, t'es pas c'est ça. Puis là, tu restes jamais, puis t'arrives pas à te rendre où est-ce que tu voulais, fait que tu pognes pas le boss, il monte en haut, tu perds 2 minutes. C'est un peu étonnant. Ouais, c'est ça. C'est un peu le calvaire de ces années-là. Les angles de caméra parfois douteux, les angles de... Pas des angles, mais des backgrounds dans lesquels tu t'accroches qui sont pas nécessairement visibles à cause de petits détails comme ça. C'est pas mal de même, ça marchait à l'époque. Oups, j'ai manqué mon coup ici. Je voulais ralentir avec la touche R1. Je l'utilise pas souvent, mais c'est possible de ralentir un tout petit peu. Simplement pour me timer sur d'autres jumps pour pas bunk ou pour pas avoir à complètement m'arrêter dans les airs. Simplement parce que dans ce jeu-là, l'accélération est absolument affreuse. C'est-à-dire que la plupart du temps, s'il faut que je m'arrête pour revenir en arrière, je vais préférer faire le tour, genre faire un petit cercle puis revenir, plutôt que de faire un dead stop et devoir réaccélérer. Surtout proche des trous. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui vont beaucoup mourir dans les trous parce qu'ils s'arrêtent devant le trou en se disant « OK, il y a un trou. Bon, ben maintenant, je vais recommencer à avancer. » Puis Simba fait juste tomber direct. Il n'y a aucune accélération, aucune vitesse. Alors, nous sommes dans le Royaume 2 maintenant. Oui. Une portion de jeu qui est très RNG. Oui, c'est... Il n'y a pas beaucoup de RNG dans ce jeu-là, dans le sens où... Les gros bouts RNG, on les a déjà passés. C'est... La première cinématique avec Mufasa, ce qui va nous dire comme petit mot de la fin va varier entre deux. Ça va prendre entre 2 à 9 secondes. Oh. Il faudrait juste pas que je pogne un autre rhino, fait que je vais faire attention jusqu'à temps que j'ai de la vie. Ça va être très bientôt. Je vais pogner le checkpoint. Au pire, si je meurs, le retour il est pas très loin.
OK, voilà. L'autre bout d'RNG, c'est Zazu lors du niveau de Stampede avec les gnus. C'est soit Zazu va nous crier de courir, puis il va avoir une petite cinématique au début, fait qu'on peut pas avancer pendant ce temps-là, soit on va partir directement sur le niveau. La grosse différence que ça fait, outre que de gagner 2-3 secondes, c'est que ça va changer le cycle sur lequel les gnus y sont, donc je vais devoir m'adapter pour ça. Le cycle de la vie. Non, juste le cycle des gnus. Ah, OK. Ben, est-ce que tu peux nous dire gnu? Ben, hein? Oui? Est-ce que tu peux nous dire gnu? Gnu? Ah, nice. OK, je pense pas à une vraie question. Qu'est-ce qu'il disait, lui? Gigi, très belle exécution. Eh, hey, merci. Merci. C'est à moi qui parlais, je pense. Les trois. Ah, okay. Les trois. Oui, en effet. Donc, le dernier gros bout de RNG, c'est ce niveau-ci. Les rhinos sont RNG. Donc, il y a certains patterns que je commence à voir. Déception. Trahison. Il est le mal, il emporte la marque. Déception. La honte. Libéré. Non, ça, c'est pas... Non, c'est Disney quand même. Oh, ouais. Ah, on va te donner ça. Tu peux le retrouver sur Disney+, je le sais. J'ai fait l'erreur de m'inscrire à ça pour ma fille. Finalement, je regarde plus qu'elle. Pareil qu'il s'est popé. Donc oui, c'est ça. Pour dire que le niveau avec les rhinos, c'est le dernier gros bout d'RNG. Ça m'est arrivé, je crois, une fois à moi puis une fois à un ami, où est-ce qu'il n'y a aucun rhino qui a spawné jusqu'à la moitié du niveau. Wow! Mais d'habitude, c'est pas le genre de choses qui arrivent. Donc faut s'adapter. Faut connaître le niveau, faut pas sauter n'importe quand, sinon on sort dans des trous. Présentement, ce niveau-ci, c'est un de mes niveaux préférés, simplement parce que c'est le tout premier niveau que j'ai vraiment passé du temps à essayer de comprendre c'est quoi la micro-route la plus optimale. Donc vraiment apprendre à sauter au bon moment, rouler, savoir quand passer sur R1, sur ces piliers-là pour ralentir. J'ai manqué mon coup, mais essayer de ledge-skip. Quand c'est possible, puis pas essayer de les chip quand c'est pas possible, parce que sinon, je vais juste perdre mon temps à pendre pour rien, sauter sur le moineau comme ici, décider de quel rocher je me prends versus lesquels je me prends pas pour sauter sur l'oiseau. Ici, je m'attendais pas à les skip. Ça montre un peu ce que je l'ai dit tantôt. Quand tu t'attends pas à les skip, ça peut être dangereux parce que tu pèses sur X pour sauter, puis tu t'en vas juste pour sauter dans le vide. Puis j'aimerais souligner que Avassab est très bon dans le micro-routing parce que. Ça, oui. C'est la preuve, il a présenté le premier TAS au dernier event de No Reset ici à Montréal, où il a fait un TAS de Mapienne, mais ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherche de micro-routing, justement. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas la différence entre ce que je veux dire par micro-routing ou macro-routing, c'est macro-routing, ça va être un peu dans un jeu quand tu te dis. Pour me rendre à la fin du jeu, mettons, pour débloquer le boss final, il me faut tel item. Pour avoir tel item, il faut tel autre item. Puis tu recules un peu comme ça en disant, bon, ben, pour battre le jeu, il faut que je fasse toutes ces grandes actions-là. Après ça, tu as le micro-routing qui est à l'intérieur de chaque niveau, à l'intérieur de chaque level ou chaque zone. Comment est-ce que je peux faire cette zone-là le plus rapidement possible? Évidemment, le Roi Lion, c'est un jeu où c'est qu'il n'y a pas vraiment de macro-routing. C'est juste tu fais tous les niveaux un à la suite de l'autre, puis ça finit là. Donc, tout le temps gagné se passe dans le chemin que tu prends à l'intérieur même des niveaux. Et si tu réussis à faire les boss glitch. Pas de l'optimisation en français. C'est l'optimisation de la route. Mais tu sais, tu peux optimiser la route sur un... On est macro scale, je sais pas vraiment comment dire ça en français. Ouais. Par exemple, Breath of the Wild, tu vas essayer d'optimiser quel shrine que tu prends dans quel ordre, puis tu vas aussi optimiser à l'intérieur de chaque shrine comment tu peux faire les puzzles. Mais un jeu comme tu fais là, t'as pas vraiment de décision macro à prendre dans le sens que tu vas t'avances. Hein. C'est ça. C'est juste des petits détails après ça là, qu'il faut que tu gères. Comme tu disais, quelle roche tu grimpes, quelle roche que tu passes en dessous. Si, c'était un de mes sauts préférés. J'ai découvert ça totalement dernièrement par accident. Où est-ce que tu sautes dans les airs sachant qu'il y a une roche qui s'en vient. La roche te pogne, s'il te fait sauter un peu plus. Tu t'en vas pour tomber dans le vide. Tu pounces pour
gagner un tout petit peu de temps pour donner le temps au bio de te pogner pendant que t'es dans le vide et te faire sauter plus loin. Je t'avoue que j'ai eu très peur. Mais c'est super consistant. Comme j'ai dit, il n'y a presque pas d'RNG dans le jeu. Tout est basé sur des cycles. Je vais attendre que ce qu'elle monte. Nice. C'est pas grave si moi je touche Zira ou si Zira me pogne pendant qu'elle descend. C'est juste, faut que je m'assure de la pogner pendant qu'elle descend. C'est vraiment tout ce qui est important. Comme ça. En fait, si on ne réussit pas, ça donne exactement ce qu'on a vu tantôt avec Scar, finalement. Exactement. Scar qui est resté en haut pendant un certain moment. Et le time va être bientôt quand je vais la repogner. Time! 20, 18 et 15. Très belle run. Pas pire. Excellent. D'ailleurs, la seule pratique que j'ai eue dernièrement, je pense, dans les dernières semaines, ça a été ce matin, en me levant à 5h30, je me dis « Ouais, faudrait peut-être que je fasse une run avant de m'en venir. » c'était une run qui était world record pace, puis genre je souhaitais quasiment faire une erreur sur Zira juste parce que je me serais senti mal de pas l'avoir enregistré. Puis justement, une toute petite erreur qui était sur Zira est montée en haut. Coûte le dans le sens où j'ai assez optimisé le jeu à ce point-ci où une toute petite erreur peut coûter la run. Mais c'était ça, c'était Le Roi Lion sur PlayStation 2. Merci à Ben et à Mooney d'être venus sur mon couch. Dédé qui était aussi assis légèrement ouais, hors de la caméra, tu t'en sortiras pas, on t'a vu. Il surveillait son casque, pas du tout, je m'en fous pas avec. Donc. Merci à toi, Sam, pour nous avoir fait encore une belle run de Roi Lion. Ça fait plaisir. Yes. On pourrait terminer la run sur un fun fact pour Ben. Ouais. Oui, donc. Savais-tu que la chaîne Disney Plus est probablement un des seuls services de streaming qui aide à améliorer ton odorat? Parce que ça donne Disney Plus. Oh! Sur ce. elle était bonne, elle était bonne. Non, pas vraiment. Quand tu vas chercher du chocolat, ça va être pas correct pour celle-là. Là. Sur ce, notre prochaine run va être Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist. Par Mart SR. Donc, restez avec nous. On fait une petite transition et on vous revient.